Il y a une semaine, j'ai posté une vidéo sur Option Gallery Labs et vous m'avez demandé d'expliquer les fonctionnalités qui se sont ici. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les options qui se sont très importantes et les options que vous devez activer immédiatement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces options. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous montrer quelques options que vous devez activer immédiatement sur Gallery Labs. J'ai posté déjà une vidéo sur comment accéder à cette option de Gallery Labs. Donc, juste regardez cette vidéo pour savoir comment activer cette option sur votre smartphone. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, Gallery Labs est une option cachée dont les paramètres de votre galerie vous permettent à modifier certains paramètres de galerie. Dans certains smartphones, ces options sont toutes activées. Et dans certains autres smartphones, ces options ne sont pas activées. Et donc, vous devez les activer manuellement. Alors, première option que vous devez activer, c'est cette option de Advanced Video Player. Comme ça. Maintenant, accédez à vos vidéos et appuyez sur l'une de vos vidéos. Et puis, ça va apparaître avec vous cette option qui vous permet à lire les vidéos. Deuxième option que vous devez activer, c'est cette option de Show Trash Storage Info. Donc, activez-le comme ça. Puis, choisissez une image. Ensuite, appuyez sur Supprimer. Voilà, ça va apparaître avec vous la quantité de stockage utilisée dans la corbeille. C'est génial, n'est-ce pas? Troisième option que vous devez activer, c'est cette option. Pour voir l'image en taille grande, vous devez faire pivoter le smartphone comme ça. Mais si vous activez cette option, immédiatement sera trouvée ici. Cette option vous permet d'afficher l'image en mode paysage sans faire pivoter le smartphone. Alors, si vous avez aimé ces options, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.